Thank you.
Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview depuis le showroom intergalactique. Je ne suis pas avec un, mais avec deux invités. J'ai l'équipe au complet de ALH Effect avec moi. Donc, j'ai Alexandre à ma droite, en kazakh chevelu et mal rasé comme moi. Alexandre, comment est-ce que ça va ce matin? Enfin non, cet après-midi, pardon. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu perdu la notion de temps avec le salon United Guitars cette semaine, où le côté un peu mal rasé. Mais ça va super, ça va super. Bon. Voilà. Très bien. Parlons un petit peu de ALH Effects. De quand date cette aventure? Alors, de quand date cette aventure? J'ai dû démarrer en 2015, je pense, lorsque j'étais étudiant. J'ai commencé. Étudiant en quoi? J'étais étudiant en design. J'ai étudié le design de produits à Lyon. Et en fait, tout a commencé lorsque je me suis pris une grosse baffe en écoutant David Gilmour. D'accord. Et je me suis dit, il faut que je retrouve ce son-là. Et j'ai commencé à fabriquer mes premières pédales d'effet parce que, en étant étudiant, je ne trouvais pas forcément dans le commerce des choses qui étaient à la fois qui correspondaient à mes attentes et.